Je vais vous emmener à quelque part, je ne sais pas c'est où, puis je veux pas avoir de plainte après. Pis si jamais ça marche pas, ben peut-être que je me baisserai les culottes. En tout cas, on verra, on verra. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je travaillais, puis je suis monté dans ma tête. Puis j'ai lâché ma job. T'as l'air à dire, c'est qui ce fucker-là? Hey, un matin, j'ai fait un cauchemar du tabarnak. J'ai rêvé que je m'étais réveillé avec des cornes sur la tête. Comme le diable, j'étais pas capable de les enlever, il fallait aller travailler. Ben, ce que j'ai fait, j'ai pris une scie, puis j'ai essayé de les enlever. Puis ça faisait mal. Ça faisait mal, et que ça faisait mal! En fin de compte, j'ai pas été capable de les enlever. J'étais allé travailler avec des oreilles de Mécamos. Personne ne comprenait rien. Mais ça, c'est un cauchemar, tu sais. C'est des affaires qui arrivent, tu sais. Mais l'autre fois, farce à part, j'ai vu Jésus au BS. J'étais dans l'ascenseur, j'ai vu les 12 apôtres entrer. Jésus est rentré le dernier. Les portes ont fermé, l'ascenseur est monté. Quand les portes se sont réouvertes, Jésus est sorti le premier. C'est fort, c'est très très fort. Les derniers seront les premiers! Thank you. OBS, ils m'ont demandé, j'avais encore mon baptistère. J'ai dit non, mais j'ai dit encore la petite robe qu'ils m'avaient mis à mon baptême. C'est là que la fille du BS a dit, je regarde votre dossier, là. Ouais. Ben, elle m'a dit, sachez, monsieur, qu'il y a une abondance de bonheur aux Indes. Ben, j'ai allumé. Dans le bois, il n'y a pas de chômage. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Moi, j'avais rien à faire. J'étais là pour vivre des expériences. J'ai chié dans le vide. Me suis rentré à bisoune dans le sol. J'suis venu. Puis le lendemain, il y avait une fleur. C'est fort. C'est très, très fort. C'est là qu'il y a des goélands qui m'ont dit... Ah ouais! Fume! 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 Me suis senti comme Fanfreliche. La première fois qu'elle est rentrée dans un livre, sauf que moi, j'en suis vraiment ressorti, mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Hey, Louise Deschâtelain, Louise Deschâtelain, j'ai vu Louise Deschâtelain dans le bois. Elle m'a dit, ah ouais, fais comme les goélands. Fum. Dans le bois, il n'y a pas de chômage. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Moi, j'avais rien à faire. J'étais là pour vivre des expériences. J'ai chié dans le vide. Me suis rentré à bisoune dans le sol. J'suis venu. Puis le lendemain, il y avait une fleur. C'est fort. C'est très, très fort. C'est là qu'il y a des goélands qui m'ont dit... Ah ouais! Fume! 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 Me suis senti comme Fanfreliche. La première fois qu'elle est rentrée dans un livre, sauf que moi, j'en suis vraiment ressorti, mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Hey, Louise Deschâtelain! Louise Deschâtelain! J'ai vu Louise Deschâtelain dans le bois!
Elle m'a dit, ah ouais, fais comme les goélands. Femme, femme, femme. Il y a des affaires, ça, on se demande si c'est pas des mammifères. Pas l'ornithorynque. Cet animal-là, faites pas vraiment, tu sais. Il y a quatre pattes, palmé, pond des œufs, bec de canard, va dans l'eau, va sur terre, blablabla. Cet animal-là, c'est peut-être une erreur de la nature. Mais laissez-moi vous dire qu'il se débrouille très bien. Mais je me demande ce que ça goûte. Ah, et puis là, il s'est mis à mouiller. Il mouillait. Hey, j'étais tout rond. À un moment donné, je suis arrivé devant une montagne. Le soleil seul est sorti. Puis j'ai séché de même. Puis là, je suis arrivé devant un chaman, un sorcier. Puis il m'a dit... Non. Il m'a dit, t'auras pas vu Louise Deschâtelard? C'est en revenant en ville que j'ai compris que la vie, ça fait plus fort qu'on pense. J'étais dans mon corps de porte, puis je me disais, tous les meubles passent, nous autres aussi on passe, y a pas de problème, puis y en aura jamais. Je regardais mon plafond, puis j'ai dit, toi, oui, toi, tu fêteras jamais au mur. Puis mon chèque de BS, il fitait dans la boîte à mal. Je vais maintenant vous laisser mon adresse Internet. Alors c'est barre oblique, à commercial, mais sur le côté. Ce que tu fais, tu mets ta souris en dessous de la table, puis tu donnes un coup dessus. Barre oblique. Point virgule, ouvrez la parenthèse, fermez les guillemets, point d'interrogation, point d'exclamation, barre oblique. À commercial, mais l'autre côté. La souris en dessous de la table, un coup de dessus. Ouais. Barre oblique, point com, mushroom. Alors, je vais maintenant vérifier pour voir si j'ai pas fait une erreur. Alors, je vous laisserai là-dessus. Vaut mieux être sous au Québec qu'être à jeun au Rwanda. Bonne soirée, tout le monde. C'était Sylvain Ouellet.